J'ai gardé la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et la spécialité sciences économiques et sociales. Je les ai gardées parce que je trouvais que ça plaît bien ensemble pour mon projet professionnel d'avenir. J'ai également histoire, géo, géopolitique, sciences politiques. J'ai également la science économique et sociale pour un projet d'avenir, c'est-à-dire dans le droit par exemple, car on pensait que les deux se regroupaient tout de même assez bien. Ben, on voit un petit peu de tout, on touche à l'histoire, sur tous les thèmes qu'on a à l'année. En terminale, on touche un petit peu, surtout par exemple dans le thème 5. On peut toucher aussi on peut toucher de l'histoire, de la politique, de la science politique, pardon, de la géopolitique et de la géographie. On a vu actuellement un thème sur l'environnement, et là on est en train de voir un thème sur le patrimoine. En fait, on touche un petit peu à tout, quoi, dans cette matière. Ouais. C'est une matière qui est bien plus précise que l'histoire du tronc commun, où on a tendance à survoler les différents thèmes. Tandis que là, on entre bien plus dans le concret, dans le précis, dans les exemples. On est beaucoup plus terre à terre. Par exemple, sur l'environnement, on a pris un certain nombre d'heures. On a commencé de l'environnement du néolithique jusqu'à nos jours. Et on a vu la perception de l'homme face à cela.